Dieu le garde à son coucher et à toute heure de la journée. Devant Dieu, c'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai. Un petit bain de votre farine, un petit œuf de votre géline, c'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour avoir un joli cierge. Pour illuminer la Sainte Vierge, devant Dieu. C'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai. C'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai. Et les amis, attention. Le soulier de satin, ou le pire n'est pas toujours sûr. Action espagnole en 4 journées. Première journée. Coup bref de trompette. Et la scène de ce drame est le monde, ou plus spécialement l'Espagne à la fin du XVIe, à moins que ce ne soit le commencement du XVIIe siècle. L'auteur s'est permis de comprimer les pays, les époques, de la même manière qu'à la distance voulue, plusieurs lignes de montagnes séparées ne sont qu'un seul horizon. Encore un petit coup de trompette. Coup prolongé de coups de sifflet, comme pour la manœuvre d'un bateau. Le rideau se lève. Première scène. Fixons, je vous prie, les frères, les yeux sur ce point de l'océan Atlantique, qui est à quelques degrés au-dessous de la ligne à égale distance de l'ancien et du nouveau continent. On a parfaitement bien représenté ici l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des courants. Toutes les grandes constellations de l'un et de l'autre hémisphère, la grande ours, la petite ours, Cassiopée, Orion, la croix du sud, sont suspendues en bon ordre comme d'énormes girandoles et comme de gigantesques panoplies autour du ciel. Je pourrais les toucher avec ma canne, autour du ciel. Et ici-bas, un peintre qui voudrait représenter l'œuvre des pirates, des Anglais probablement, sur ce pauvre bâtiment espagnol, aurait précisément l'idée de ce mât, avec ses vergues et ses agrès, tombés tout au travers du pont, de ses canons culbutés, de ses écoutilles ouvertes, de ses grandes taches de sang et de ses cadavres partout, spécialement de ce groupe de religieuses écroulées l'une sur l'autre. Au tronçon du grand mât est attaché un père jésuite. Et comme vous voyez, extrêmement grand et maigre, la soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Et le voici qui parle comme il suit. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché, mais c'est lui qui va parler. Bon, écoutez bien, écoutez bien. Et essayez
de comprendre un peu. Et ne toussez pas, hein. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. Et c'est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois, il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles et ma volonté en présence de votre règle perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis, et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix. Mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau. Tout a expiré autour de moi. Tout a été consommé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes sœurs l'une sur l'autre. La vendange, sans doute, ne pouvait se faire sans désordre. Mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix paternelle. Et si je me croyais abandonné, je n'ai qu'à attendre le retour de cette puissance immanquable sous moi qui me reprend et me remonte avec elle, comme si, pour un moment, je ne faisais plus qu'un avec le réjouissement de l'abîme, cette vague. Voici bientôt la dernière pour m'emporter. Je prends, je me sers de toute cette œuvre indivisible que Dieu a faite tout à la fois et à laquelle je suis étroitement amalgamé à l'intérieur de sa sainte volonté, ayant renoncé la mienne. De ce passé dont avec l'avenir est faite une seule étoffe indéchirable, de cette mer qui a été mise à ma disposition, du souffle que je ressens tour à tour avec sa cessation sur ma face, de ces deux mondes amis là-haut, dans le ciel, de ces grandes constellations incontestables, pour bénir cette terre que mon cœur devinait là-bas, dans la nuit, tant désirée. Que la bénédiction sur elle soit celle d'Abel, le pasteur au milieu de ses fleuves et de ses forêts. Que la guerre et la dissension l'épargnent, que l'islam ne souille point ses rives et cette peste encore pire qu'est l'hérésie. Je me suis donné à Dieu et maintenant le jour du repos et de la détente est venu. Et je puis me confier à ces liens qui m'attachent. On parle de sacrifice, quand à chaque choix à faire, il ne s'agit que de ce mouvement imperceptible, comme de la main. C'est le mal seul, à dire vrai, qui exige un effort, puisqu'il est contre la réalité. Se disjoindre à ces grandes forces continues qui, de toutes parts, nous adoptent et nous engagent. Et maintenant, voici la dernière oraison de cette messe que, mêlée déjà à la mort, je célèbre par le moyen de moi-même. Mon Dieu, je vous prie pour mon frère Rodrigue. Mon Dieu,
Je vous supplie pour mon fils, Rodrigue. Je n'ai pas l'autre enfant, ô mon Dieu. Et lui sait bien qu'il n'aura pas d'autre frère. Vous le voyez qui d'abord s'était engagé sur mes pas sous l'étendard qui porte votre monogramme. Et maintenant, sans doute parce qu'il a quitté votre noviciat, il se figure qu'il vous tourne le dos. Son affaire, à ce qu'il imagine, n'étant pas d'attendre, mais de conquérir et de posséder ce qu'il peut, comme s'il n'y avait rien qui ne vous appartint et comme s'il pouvait être ailleurs où vous êtes. Mais Seigneur, il n'est pas facile de vous échapper. Et s'il ne va pas à vous parce qu'il a de clair qu'il y aille, parce qu'il a d'obscur, et parce qu'il a de direct qu'il y aille, avec ce qu'il a d'indirect, et parce qu'il a de simple qu'il y aille, avec ce qu'il a en lui de nombreux et de laborieux et d'entremêlés, et s'il désire le mal, que ce soit un mal tel qu'il ne soit compatible qu'avec le bien. Et s'il désire le désordre, un tel désordre qu'il implique l'ébranlement et la fissure de ses murailles autour de lui qui lui barrait le salut. Je dis à lui et à cette multitude avec lui qu'il implique obscurément, car il est ceux-là qui ne peuvent se sauver qu'en sauvant toute cette masse qui prend leur forme derrière eux. Et déjà, vous lui avez enseigné le désir. Mais il ne se doute pas encore ce que c'est que d'être désiré. Apprenez-lui que vous n'êtes pas le seul à pouvoir être absent. Liez-le par le poids de cet autre être sans lui si beau qu'il appelle à travers l'intervalle. Faites de lui un homme blessé parce qu'une fois dans cette vie, il a vu la figure d'un ange. Remplissez ces amants d'un tel désir qu'il implique à l'exclusion de leur présence dans le hasard journalier l'intégrité primitive de leur essence même telle que Dieu les a conçus autrefois dans un rapport inextinguible. Et ce qu'il essaiera de dire misérablement sur la terre, je suis là pour le traduire dans le ciel. Scène 2. La façade d'une maison d'homme noble en Espagne. Première heure de la matinée. Un jardin rempli d'orangers. Une petite fontaine de faïence bleue sous les arbres. Don Balthazar, il y a deux chemins qui partent de cette maison. Et l'un, si le regard pouvait l'onner d'un seul coup à travers maintes villes et villages, montant, redescendant comme les chevaux en désordre sur les chevalets d'un cordier, tire d'ici directement à la mer, non loin d'une certaine hôtellerie que je connais parmi les gros arbres cachés. C'est par là qu'un cavalier en armes escorte Doña Prouez. Oui, je veux que par lui, Doña Prouez, soit enlevée à mes yeux. Cependant que par un autre chemin, entre les genêts tournoyants et montants parmi les roches parsemées, j'accéderai à l'appel que cette tache blanche là-haut m'adresse. Cette lettre de la veuve dans la montagne, cette lettre de ma cousine dans ma main. Mais merveille! Pour madame, il n'y a pas autre chose à faire que bien regarder la ligne de la mer vers l'est. En attendant que nos voiles y paraissent qui doivent nous ramener, elle et moi, en notre gouvernement d'Afrique. Et quoi, seigneur? Sitôt déjà partir? Cette maison de votre enfance, après tant de mois sur un sol barbare, quoi? De nouveau la quitter? Il est vrai, c'est le seul endroit au monde où je me sente compris et accepté. C'est ici où je recherchais refuge en silence du temps où j'étais le terrible juge de Sa Majesté, extirpateur des brigands et de la rébellion.
On n'aime pas un juge. Mais moi, j'ai appris tout de suite qu'il n'y avait pas de plus grande charité que de tuer les êtres malfaisants. Et des journées, j'ai passé ici, n'ayant pour compagnie du matin jusqu'au soir que mon vieux jardinier. Ces orangers que j'arrosais moi-même et cette petite chèvre qui n'avait pas peur de moi. Oui, elle me donnait par jeu des coups de tête et venait manger des feuilles de vigne dans ma main. Maintenant, voilà cette Donia Merveille qui est plus pour vous que la petite chèvre. Prenez-en soin, Don Balthazar, en ce voyage difficile. Je la remets en votre honneur. Quoi ? C'est à moi que vous voulez confier Donia Prouesse ? Pourquoi non ? Ne m'avez-vous pas dit vous-même que vos devoirs vous appellent en Catalogne ? Votre chemin n'en sera pas fort allongé. Je vous prie de m'excuser. N'est-il point d'autre cavalier à qui remettre ce soin ? Point d'autre. Donc, ami, par exemple, votre cousin est lieutenant là-bas qui va partir à l'heure. Il partira seul ! Et ne pouvez-vous pas laisser Donia Prouesse à vous attendre ici ? Je n'aurai pas le temps de revenir. Quel devoir impérieux vous appelle ? Ma cousine, Donna Viriana, qui se meurt et aucun homme auprès d'elle. Point d'argent dans l'humble et altière demeure, à peine de pain. Plus 6 filles à marier dont l'aînée ne s'éloigne de 20 ans que peu. N'est-ce point celle-là que nous appelions Donia Musique ? J'ai résidé là-bas autant que je faisais des levées pour les Flandres. À cause de cette guitare qu'elle ne quittait pas et dont elle ne jouait jamais, et de ses grands yeux croyants ouverts sur vous et prêts à absorber toutes les merveilles, et de ses dents comme des amandes fraîches qui mordaient la lèvre écarlate, et de son rire. Pourquoi ne l'avez-vous pas épousée ? Je suis plus gueux qu'un vieux loup. Et tout l'argent que tu gagnes passe à ton frère, le chef de la maison là-bas, en Flandre. Il n'y en a pas de meilleur entre l'Escou et la Meuse. Je me charge de musique, et toi, je te confie Prouesse. Comme vous-même, seigneur, Ouida, malgré mon âge, je me sens plutôt fait pour être l'époux d'une jolie femme que son protecteur. Ni elle, ni vous, noble ami, j'en suis sûr, n'avez à redouter ces quelques jours de compagnie. Et d'ailleurs, vous trouverez toujours la servante de ma femme avec elle, gare à la noire, Jo Barbara. Un péché n'est pas mieux défendu qui pousse tout au travers d'un figuier de barbarie. Puis votre attente ne sera pas longue. En peu de temps, j'aurai mis ordre à tout. Et marié les 6 filles. Déjà, pour chacune d'elles, j'ai choisi 2 maris. Et le commandement est parti qui convoque mes galants. Qui oserait résister à Pélage, le terrible juge ? Elles n'auront qu'à choisir, ou autrement, j'ai choisi pour elles, moi, le cloître qui les attend. L'Aragonais n'est pas plus sûr de son affaire qui arrive sur la place du marché avec 6 cavales neuves. Elles sont là toutes ensemble, tranquilles, à l'ombre d'un grand châtaignier, et ne voient pas l'acheteur qui passe de l'une à l'autre avec tendresse et connaissance, cachant le mort derrière son dos. Adieu, musique. Et pendant qu'il me reste un peu de temps, je vais achever de vous expliquer la situation sur la côte d'Afrique. Le sultan Moulay, scène 3. Une autre partie du même jardin, midi. La longue muraille d'un côté à l'autre de la Seine, d'une espèce de charmille formée de plantes aux feuilles épaisses. Obscurité résultant de l'ombre d'arbres compacts. Par quelques interstices passent cependant des rayons de soleil qui font des taches ardentes sur le sol. Du côté invisible de la charmille et ne laissant apparaître à travers les feuilles pendant qu'elle marche aux côtés de Don Camille que des éclairs de sa robe rouge, Donia Prouesse. Du côté visible, Don Camille. Je suis reconnaissante à votre seigneurie de m'avoir permis de lui dire adieu. Je ne vous ai rien permis et Don Pélage ne m'a rien défendu. Cette charmille entre nous prouve que vous ne voulez pas me voir.
N'est-ce pas assez que je vous entende? Où je suis, je n'importunerai plus souvent, monsieur le capitaine général. Vous retournerez là-bas, à Mogador? C'est le bon côté du pays. Loin de Ceuta et de ses bureaux, loin de cette grosse peinture bleue où la rame des galions en blanc écrit incessamment le nom du roi d'Espagne. Ce que j'apprécie le plus est cette barre de 40 pieds qui me coûte une barcasse ou deux de temps en temps et qui ennuie un peu les visiteurs. Mais comme on dit, ceux qui viennent me voir me font honneur et ceux qui ne viennent pas me voir me font plaisir. Cela vous sépare aussi de tout renfort et ravitaillement. J'essaye de m'en passer. Heureusement que le Maroc en ce moment est partagé entre 3 ou 4 sultans ou prophètes qui se font la guerre. C'est vrai? C'est vrai. C'est ma petite chance. Et personne mieux que vous, n'est-ce pas, pour en profiter? Ah oui, je parle toutes les langues. Mais je sais ce que vous pensez. Vous pensez à ce voyage de 2 ans que j'ai fait à l'intérieur du pays, déguisé en marchand juif. Beaucoup de gens disent que cela n'est pas le fait d'un gentilhomme, hein, ni d'un chrétien. Je ne l'ai pas pensé. Personne n'a jamais pensé que vous fussiez un renégat. Vous le voyez par ce poste d'honneur que le roi vous a remis. Oui, un poste d'honneur. Comme un chien sur une barrique au milieu de l'océan. Mais je n'en veux point d'autre. Beaucoup de gens disent aussi qu'il y a du mort dans mon cas, à cause de ce teint un peu sombre. Je ne l'ai pas pensé. Je sais que vous êtes de fort bonne famille. On va pour le mort. Tout bon gentilhomme sait qu'il n'y a qu'à taper dessus, comme à la quintaine. Théoriquement. Car en fait, nous y frottons le moins possible. Vous savez que je pense comme vous. Moi aussi, j'aime cette race dangereuse. Est-ce que je les aime? Non. Mais je n'aime pas l'Espagne. Qu'entends-je? Donc, Camille. Il y a des gens qui trouvent leur place toute faite en naissant. Serré. Et encastré comme un grain de maïs dans la quenouille compacte, la religion, la famille, la patrie. Est-ce que vous êtes dégagé de tout cela? N'est-ce pas que vous aimeriez que je vous rassure, hein? C'est comme ma mère qui voulait que je lui dise constamment les choses qu'elle pensait elle-même. Ce sourire câlin pour toute réponse, comme elle me le reprochait. Ah, ces autres fils et filles, je dois dire qu'elles n'y pensaient guère. Elles n'avaient que mon nom sur les lèvres, moi. Et cet enfant prodigue, pour passer à un autre sujet, un très mauvais sujet, est-ce que vous croyez que c'est vrai qu'il mangeait son bien avec les gloutons et les prostituées? Ah! Il s'était mis dans des affaires autrement passionnantes. Des spéculations à faire frire les cheveux sur la tête avec les Carthaginois et les Arabes. Ah, c'est le nom même qui était compromis. Vous sentez? Et croyez-vous que le père pensait à autre chose qu'à ce fils chéri? Tout le long des jours, on ne lui en laissait guère le moyen. Qu'entendez-vous par ce sourire câlin? Comme si nous étions d'accord en dessous. Comme si tout cela était de complicité avec elle. Un petit clin d'œil comme ça. C'est cela qui la mettait hors d'elle-même, pauvre maman. Et cependant, qui diable m'a fait, je vous prie, si ce n'est elle-même, elle seule? Je ne suis pas chargée de vous refaire. Qu'est-ce que vous en savez? Mais peut-être est-ce moi qui suis chargé de vous défaire? Ce sera difficile, donc ami. Ce sera difficile, et cependant vous êtes déjà là qui m'écoutez malgré la défense de votre mari, à travers ce mur de feuilles,
J'aperçois votre petite oreille. Je sais que vous avez besoin de moi. Vous entendez que je vous aime? J'ai dit ce que j'ai dit. Et je ne vous fais point trop horreur? À cela, vous ne pouvez réussir ainsi tout de suite. Dites, personne qui m'écoutait invisible et qui cheminait d'un même pas avec moi de l'autre côté de ce branchage, ce n'est pas tentant ce que je vous offre. D'autres, à la femme qu'ils aiment, montrent des perles, des châteaux, que sais-je, des forêts, s'enferment, une flotte sur la mer, des mines, un royaume, oh, une vie paisible et honorée, une coupe de vin à boire ensemble. Mais moi, ce n'est rien de tout cela que je vous propose. Attends, je sais que je vais toucher la fibre la plus secrète de ton cœur. Mais une chose si précieuse que pour l'atteindre avec moi, rien ne coûte. Et vous vous ennuierez de vos biens, famille, patrie, de votre nom et de votre honneur même. Oui, que faisons-nous ici, partons, merveille? Et quelle est cette chose si précieuse que vous m'offrez? Une place avec moi, où il n'y ait absolument plus rien. Nada. Rac. Et c'est ça que vous voulez me donner? N'est-ce rien que ce rien qui nous délivre de tout? Mais moi, j'aime la vie. Seigneur Camille, j'aime le monde. J'aime l'Espagne. J'aime ce ciel bleu. J'aime le bon soleil. J'aime ce sort que le bon Dieu m'a fait. Oui, j'aime tout cela aussi. L'Espagne est belle, grand Dieu, que ce serait bon si on pouvait la quitter une bonne fois et pour jamais. N'est-ce pas ce que vous avez fait? On revient toujours. Mais est-ce qu'il existe ce lieu où il n'y a absolument plus rien? Il existe, Prouèse. Quel est-il? Un lieu où il n'y a plus rien. Un cœur où il n'y a pas autre chose que toi. Vous détournez le visage afin que je ne voie pas sur vos lèvres que vous vous moquez. Quand je dis que l'amour est jaloux, prétendez-vous que vous ne comprenez pas? Quelle femme ne le comprendrait? Celle qui aime. Les poètes ne disent-ils pas qu'elle gémit de n'être pas toute chose pour l'être qu'elle a choisi? Il faut qu'il n'ait plus besoin que d'elle seule. C'est la mort et le désert qu'elle apporte avec elle. Ce n'est pas la mort, mais la vie que je voudrais apporter à celui que j'aime. La vie, fût-il au prix de la mienne? Mais n'êtes-vous pas vous-même plus que ces royaumes à posséder? Plus que cette Amérique à faire sortir de la mer? Je suis plus... Et qu'est-ce qu'une Amérique a créé auprès d'une âme qui s'engloutit? Faut-il donner mon âme pour sauver la vôtre? Il n'y a pas d'autre moyen. Si je vous aimais, cela me serait facile. Si vous ne m'aimez pas, aimez mon infortune. Quelle infortune si grande? Empêchez-moi d'être seul. Mais n'est-ce pas cela à quoi vous n'avez cessé de travailler? Quel est l'ami que vous n'ayez découragé, le lien que vous n'ayez rompu, le devoir que vous n'ayez accueilli avec ce sourire dont vous me parliez tout à l'heure? Si je suis vide de tout, c'est afin de mieux vous attendre. Dieu seul remplit. Et qui sait ce Dieu, si vous seul n'étiez pas capable de me l'apporter? Je ne vous aime pas. Et moi, je vais être si malheureux et si criminel. Oui,
Je vais faire de telles choses, Donia Prouez, que je vous forcerai bien de venir avec moi. Vous et ce dieu que vous gardez si jalousement pour vous, comme s'il était venu pour les justes. Ne blasphémez pas. C'est vous qui me parlez de Dieu. Je n'aime pas ce sujet. Et croyez-vous que ce soit le fils prodigue qui ait demandé pardon? L'Évangile le dit. Moi, je tiens que c'est le Père, oui, pendant qu'il lavait les pieds blessés de cet explorateur. Vous reviendrez aussi. Alors, je ne veux pas de musique ce jour-là. Pas d'invités, ni de veau gras, pas de cette pompe publique. Je veux qu'il soit aveugle, comme Jacob, pour qu'il ne me voie pas. Vous vous rappelez cette scène, quand Joseph fait sortir tous ses frères pour être seul avec Israël? Nul ne sait ce qui s'est passé entre eux à ce moment. Il y en a pour jusqu'à la fin du monde de quoi remplir 5 minutes d'agonie. Donc, ami, est-ce donc si difficile que d'être tout simplement un honnête homme? Un fidèle chrétien, un fidèle soldat, un fidèle serviteur de Sa Majesté, un très fidèle époux de la femme qui vous aura trouvé. Tout cela est trop encombrant. Et lent, et compliqué. Les autres éternellement sur nous, j'étouffe. Ah, n'en avoir jamais fini de cette prison compacte et de toute cette pile de corps mous. Tout cela qui nous empêche de suivre notre appel. Quel est donc cet appel irrésistible? Dites-moi que vous ne l'avez pas ressenti vous-même. Les moucherons ne sont pas plus faits pour résister à cet appel, cette extase de la lumière, quand elle pompe la nuit, que les cœurs humains, à cet appel du feu capable de les consumer, l'appel de l'Afrique. La terre ne serait point ce qu'elle est si elle n'avait ce carreau de feu sur le ventre, ce cancer rongeur, ce rayon qui lui dévore le foie, ce trépied attisé par le souffle des océans, cet antre fumant, ce fourneau où vient se dégraisser l'ordure de toutes les respirations animales. Nous ne sommes pas toutes choses entre nos quatre murs. Vous avez beau tout fermer, vous avez beau vous arranger entre vous, vous ne pouvez pas exclure cette plus grande part de l'humanité dont vous avez convenu de vous passer et pour laquelle le Christ aussi, cependant, est mort. Ce souffle qui fait frémir vos feuillages et battre vos jalousies, c'est l'Afrique qui l'appelle en proie à son éternel supplice. D'autres explorent la mer, et moi. Pourquoi ne m'enfoncerais-je pas aussi loin qu'il est possible d'aller vers cette autre frontière de l'Espagne? Le feu! Les capitaines que le roi envoie vers ces Indes nouvelles ne travaillent pas pour eux, mais pour leur maître. Je n'ai pas besoin de penser tout le temps au roi d'Espagne. N'est-il pas là partout où il y a un de ses sujets? Tant mieux pour lui que je pénètre où son nom ne peut passer. Moi, ce n'est pas un monde nouveau qu'on m'a donné pour le pétrir à ma fantaisie. C'est un livre vivant que j'ai à étudier et le commandement que je désire ne s'acquiert que par la science. Un Alcoran dont les lignes sont faites de ce rang de palmiers là-bas, de ces villes nacrées sur le bord de l'horizon comme un titre. Et les lettres de ces foules, dans l'ombre de ces rues étroites, aux yeux de braise, de ces formes empaquetées qui ne peuvent sortir une main sans qu'elles deviennent de l'or. Comme les Hollandais vivent de la mer, ainsi ces peuples, à la frontière même de l'humanité, non parce que la terre cesse, mais parce que le feu commence, de l'exploitation de ces rives au-delà du lac Ardent. C'est là que je me taillerai un domaine pour moi.
une insolente petite place pour moi seul entre les deux mondes. Pour vous, seul? Pour moi seul. Une petite place. Que je sois plus perdu qu'une petite pièce d'or dans une cassette oubliée. Telle que nul autre que vous, jamais, n'est capable de venir m'y rechercher. Je ne viendrai pas vous rechercher. Je vous donne rendez-vous. Scène 4. Une rue dans une ville d'Espagne quelconque. Une haute fenêtre garnie de barreaux de fer. Derrière les barreaux, Doña Isabelle. Et dans la rue, Don Luis. Je jure de ne pas être la femme d'un autre que votre seigneurie. Demain, mon frère, ce cruel tyran, m'arrache à Ségovie. Je suis une des filles d'honneur qui accompagne Notre-Dame quand elle s'en va à la porte de Castille recevoir l'hommage de Santiago. Armez-vous, emmenez quelques compagnons courageux. Il vous sera facile, dans quelques défilés de montagne, de m'enlever à la faveur de la nuit et de la forêt. Ma main. Scène 5. Même lieu qu'à la scène 2. Une maison noble en Espagne. Le soir, toute une caravane prête à partir. Mules, bagages, armes, chevaux scellés, etc. etc. Madame, puisqu'il a plu à votre mari par une inspiration subite de me confier le commandement de votre seigneurie hautement respectée, il m'a paru nécessaire, avant de partir, de vous donner communication des clauses qui doivent régler notre entretien. Je vous écoute. Avec soumission. Oh, je voudrais être encore à la retraite de Bréda. Oui, plutôt que le commandement d'une jolie femme. Je préfère celui d'une troupe débandée de mercenaires sans pain que l'on conduit à travers un pays de petits bois vers un horizon de potence. Ne vous désolez pas. Seigneur. Oui. Et donnez-moi ce papier que je vois tout près dans votre main. Lisez, je vous prie, et veuillez y mettre votre sein à la marque que j'ai faite. Oui, je me suis senti tout soulagé depuis que j'ai couché ainsi mes ordres sur ce papier. C'est lui qui nous commandera à tous désormais, moi le premier. Vous y trouverez toutes choses bien indiquées, les étapes, les heures du départ et des repas. Et ces moments aussi où vous aurez permission de m'entretenir, car je sais qu'on ne saurait condamner les femmes au silence. Alors je vous raconterai mes campagnes, les origines de ma famille, les mœurs de la Flandre, oui, mon pays. Mais moi aussi, n'aurais-je pas licence de dire un mot, parfois? Sirène. Je ne vous ai déjà prêté l'oreille que trop. Est-il si désagréable de penser que pendant quelques jours, mon sort et ma vie ne seront pas moins pour vous que votre propre vie? Et qu'étroitement associés, vous sentirez bien à chaque minute que j'ai pour défenseur, vous seul. Je le jure, on ne vous tirera pas de mes mains. Pourquoi essaierais-je de fuir alors que vous me conduisez là, précisément où je voulais aller? Et ce que j'avais refusé, c'est votre époux qui me l'enjoint. Si vous m'aviez refusé, alors je serais partie seule. Ouida, j'aurais trouvé quelques moyens. Donia Merveille, je suis fâchée d'entendre ainsi parler la fille de votre père. Était-ce un homme qu'on avait habitude de contrarier dans ses desseins? Non, pauvre comte. Ah, quel ami j'ai perdu. Je me ressens encore de ce grand coup d'épée qu'il me fournit au travers du corps un matin de carnaval. C'est ainsi que commença notre fraternité. Il me semble que je le revois quand je vois vos yeux. Vous y étiez déjà. Je ferais mieux de ne pas vous dire que j'ai envoyé cette lettre. Une lettre à qui? À Don Rodrigo. Oui, pour qu'il vienne me retrouver en cette auberge, précisément où vous allez me conduire. Avez-vous fait cette folie?
Et si je n'avais pas profité de l'occasion inouïe de cette gitane qui gagnait directement à Villa, où je sais qu'est la résidence de ce cavalier, n'aurait-ce pas été un péché, comme disent les Italiens? Ne blasphémez pas! Et veuillez ne pas me regarder ainsi, je vous prie. Fi! N'avez-vous point vergogne de votre conduite? Et aucune crainte de ton Pélage? Que ferait-il s'il venait à l'apprendre? Il me tuerait. Nul doute. Sans hâte, comme il fait tout. Et après avoir pris le temps de considérer. Aucune crainte de Dieu? Je jure que je ne veux point faire le mal. C'est pourquoi je vous ai tout dit. Ce fut dur de vous ouvrir mon cœur. Je crains que vous n'ayez rien compris. Rien que ma bonne affection pour vous. Tant pis. Maintenant, c'est vous qui êtes responsable et chargé de me défendre. Il faut m'aider, Prouèse. Oh ! Ce serait trop facile. Je ne cherche point d'occasion, j'attends qu'elle vienne me trouver. Et je vous ai loyalement averti, la campagne s'ouvre. C'est vous qui êtes mon défenseur. Tout ce que je pourrais faire pour échapper et pour rejoindre Rodrigue, je vous donne avertissement que je le ferai. Vous voulez cette chose détestable? Ce n'est pas un vouloir que prévoir. Et vous voyez que je me défie tellement de ma liberté que je l'ai remise entre vos mains. N'aimez-vous point votre mari? Je l'aime. L'abandonneriez-vous à cette heure où le roi lui-même l'oublie? Tout seul sur cette côte sauvage, au milieu des infidèles, sans troupes, sans argent, sans sécurité d'aucune sorte. Cela me touche plus que tout le reste. Oui. L'idée de trahir ainsi l'Afrique et notre pavillon et l'honneur du nom de mon mari. Je sais qu'il ne peut se passer de moi. Ces tristes enfants que j'ai recueillis à la place de ceux que Dieu ne m'a pas donnés. Ces femmes qu'on soigne à l'infirmerie. Ces partisans rares et pauvres qui se sont donnés à nous, abandonnés tout cela. Je peux dire que cela me fait horreur. Et qui est-ce donc qui vous appelle ainsi vers ce cavalier? Sa voix. Vous ne l'avez connu que peu de jours. Sa voix. Je ne cesse de l'entendre. Et que vous dit-elle donc? Si vous voulez m'empêcher d'aller à lui, alors du moins liez-moi. Ne me laissez pas cette cruelle liberté. Mettez-moi dans un cachot profond, derrière des barres de fer. Mais quel cachot serait capable de me retenir quand celui-même de mon corps menace de se déchirer? Hélas, il n'est que trop solide. Et quand mon maître m'appelle, il ne suffit que trop à retenir cette âme contre tout droit qui est à lui, mon âme qui l'appelle et qui lui appartient. L'âme et le corps aussi. Que parlez-vous de ce corps, quand c'est lui qui est mon ennemi et qui m'empêche de voler d'un trait jusqu'à Rodrigue? Ce corps, aux yeux de Rodrigue, n'est-il que votre prison? C'est une dépouille que l'on jette aux pieds de celui qu'on aime. Vous le lui donneriez donc si vous l'aimiez? Qu'ai-je à moi qui ne lui appartienne? Je lui donnerai le monde entier, si je le pouvais. Partez! Rejoignez-le! Seigneur! Je vous ai déjà dit que je me suis placée non plus en ma propre garde, mais en la vôtre. C'est Don Pélage seul qui est votre gardien. Parlez. Dites-lui tout. Oh!
Pourquoi vous ai-je donné ma parole ? Quoi ? La confiance que j'ai mise en vous. N'en êtes-vous pas touché ? Ne me forcez pas à avouer qu'il y a des choses que je ne pouvais dire qu'à vous. Après tout, je ne fais qu'obéir à Don Pélage. Que vous allez bien me garder. Et que je vous aime. Je n'ai plus rien à faire. On peut s'en remettre à vous. Et déjà, je concerte dans mon esprit 1000 ruses pour vous échapper. Il y aura un autre gardien qui m'aidera et auquel vous n'échapperez pas si aisément. Lequel, Seigneur ? L'ange que Dieu a placé près de vous dès ce jour que vous étiez un petit enfant innocent. Un ange ? Contre les démons ? Et pour me défendre contre les hommes ? Il me faut une tour, comme mon ami Balthazar. La tour et l'épée, cheminant d'un seul morceau. Et cette belle barbe dorée qui montre de loin où vous êtes. Vous êtes restée française. Comme vous êtes restée flamand. N'est-ce pas joli, mon petit accent de Franche-Comté? Ce n'est pas vrai, mais tous ces gens avaient bien besoin de nous pour apprendre à être espagnol. Ils savent s'ils peuvent s'y prendre. Comment votre mari a-t-il pu vous épouser, lui vieux déjà et vous si jeune? Je m'arrangeais sans doute avec les parties de sa nature les plus sévèrement maintenues, les plus secrètement choyés. De sorte que quand j'accompagnais mon père à Madrid, où les affaires de sa province l'appelaient, l'accord ne fut pas long à établir entre ces deux hauts seigneurs. Que j'aimasse Don Pélage aussitôt qu'on me l'aurait présenté, par-dessus toute chose et pour tous les jours de ma vie. Comme cela est légal et obligatoire entre mari et femme. Lui, du moins, vous ne pouvez pas douter qu'il ne remplisse pas envers vous sa part. S'il m'aime, je n'étais pas sourde pour que je l'entende me le dire. Ouais. Si bas qu'il me l'aurait avoué, un seul mot, j'avais l'oreille assez fine. Pour le comprendre. Je n'étais pas sourde pour entendre ce mot auquel mon cœur était attentif. Bien des fois, j'ai cru le saisir dans ses yeux, dont le regard changeait dès que le mien voulait y pénétrer. J'interprétais cette main qui se posait une seconde sur la mienne. Hélas, je sais que je ne lui sers de rien ce que je fais. Jamais je ne suis sûre qu'il l'approuve. Je n'ai même pas été capable de lui donner un fils. Peut-être ce qu'il éprouve pour moi, j'essaye parfois de le comprendre. De le croire. Ces choses tellement sacrées, peut-être qu'il faut la laisser s'exhaler seule. Il ne faut pas la déranger avec les paroles qu'on y mettrait. Oui, il m'a fait entendre quelque chose de ce genre, une fois, à sa manière étrange et détournée. Peut-être est-il si fier que pour que je l'aime, il dédaigne de faire appel à autre chose que la vérité. Je le vois si peu et je suis si intimidée avec lui. Et cependant, longtemps, je n'imaginais pas que je pouvais être ailleurs qu'à son ombre.
Et vous voyez que c'est lui-même aujourd'hui qui me congédie et non pas moi qui ai voulu le quitter. Presque tous les jours, il me laisse seul. Et c'est bien lui. Cette maison déserte et sombre ici, si pauvre, si fière, avec ce tuant soleil au dehors et cette odeur délicieuse qui la remplit. Oui, on dirait que c'est sa mère qui l'a laissé ainsi, dans un ordre sévère, et qui vient de partir à l'instant. Une grande dame, infiniment noble et qu'on oserait à peine regarder. Sa mère est morte en lui donnant la vie. Peut-être est-ce de celle-ci que je parle? Don Balthazar, allez-vous me rendre ce service et... donnez-moi cette mule. Vierge, patronne et mère de cette maison, répondante et protectrice de cet homme dont le cœur vous est pénétrable plus qu'à moi et compagne de sa longue solitude. Alors, si ce n'est pas pour moi, que ce soit à cause de lui, puisque ce lien entre lui et moi n'a pas été mon fait, mais votre volonté intervenante. Empêchez que je sois à cette maison dont vous gardez la porte, Auguste Tourière, une cause de corruption. Que je manque à ce nom que vous m'avez donné à porter et que je cesse d'être honorable aux yeux de ceux qui m'aiment. Je ne puis dire que je comprends cet homme que vous m'avez choisi, mais vous, je comprends qui êtes sa mère comme la mienne. Alors, pendant qu'il est encore temps, tenant mon cœur dans une main et mon soulier dans l'autre, je me remets à vous, vierge mère. Je vous donne mon soulier, vierge, mère. Gardez dans votre main mon malheureux petit pied. Je vous préviens que tout à l'heure, je ne vous verrai plus et que je vais tout mettre en œuvre contre vous. Mais quand j'essaierai de m'élancer vers le mal, que ce soit avec un pied boiteux, la barrière que vous avez mise, quand je voudrais la franchir, que ce soit avec une aile rognée, j'ai fini ce que je pouvais faire. Et vous, gardez mon pauvre petit soulier. Gardez-le contre votre cœur. Oh, oh, grande maman effrayante. Scène 6. Thank you.
Espagne. Entouré de sa cour dans la grande salle du palais de Belém qui domine l'estuaire du Tage. Seigneur chancelier, vous qui avez le poil blanc, alors que le mien ne fait encore que grisonner, ne dit-on pas que la jeunesse est le temps des illusions, alors que la vieillesse, peu à peu, entre dans la réalité des choses telles qu'elles sont. Une réalité fort triste. Un petit monde décoloré qui va se rétrécissant. C'est ce que les anciens moi-même m'ont toujours instruit à répéter. Ils disent que le monde est triste pour qui voit clair. Je ne puis le nier contre tous. C'est la vieillesse qui a l'œil clair. C'est elle qui a l'œil exercé. Exercé à ne plus voir que ce qui lui est utile. À elle et à son petit royaume. Le mien est grand. Ouais. Et si grand qu'il soit, mon cœur qui le réunit dénie à toute frontière le droit de s'arrêter, de l'arrêter, pardon, alors que la mer même, ce vaste océan à mes pieds, loin de lui imposer des limites, ne faisait que réserver de nouveaux domaines à mon désir trop tardif. Et je voudrais la trouver enfin. Cette chose dont vous auriez le droit de dire au roi d'Espagne qu'elle n'était pas pour lui. Triste ? Comment dire sans impiété que la vérité de ces choses qui sont l'œuvre d'un dieu excellent est triste ? Et sans absurdité que le monde qui est à sa ressemblance et à son émulation est plus petit que nous-mêmes et laisse la plus grande part de notre imagination sans support. Et je dis en effet que la jeunesse est le temps des illusions. Mais c'est parce qu'elle imaginait les choses infiniment moins belles et nombreuses et désirables qu'elles ne sont. Et de cette déception, nous sommes guéris avec l'âge. Ainsi, cette mer où le soleil se couche, la miroitante étendue, là où les poètes voyaient se précipiter chaque soir l'impossible attelage au milieu des sardines de je ne sais quel dieu ridicule, l'orfèvrerie d'Apollon. L'œil audacieux de mes prédécesseurs, par-dessus elles, leurs doigts désignaient impérieusement l'autre bord, un autre monde. Et déjà, l'un de leurs serviteurs cingle vers le sud. Il retrouve Chab. Il double le cap. Détesté. Il boit au Gange. À travers maints passages difformes, il atterrit à la Chine. C'est à lui cet immense remuement de soie et de palme et de cornue. Tous ces bancs palpitants de frais humains plus populeux que les morts et qui attendent
le baptême. L'autre... Notre grand amiral. Lui, c'est quelque chose d'absolument neuf qui lui surgit à la proue de son bateau. Un monde de feu et de neige à la rencontre de nos enseignes détachant une escadre de volcans. Ah, l'Amérique. Comme une immense corne d'abondance. Je dis, ce calice de silence, ce fragment d'étoile, cet énorme quartier du paradis, le flanc penché au travers d'un océan de délices. Que le ciel me pardonne, mais quand parfois, au bord des bords de cet estuaire, je vois le soleil m'inviter d'un long tapis déroulé à ces régions qui me sont éternellement disjointes. L'Espagne, cette épouse dont je porte l'anneau, mais peu à côté de cet esclave sombre, de cette femelle au flanc de cuivre qu'on enchaîne pour moi là-bas, dans les régions de la nuit. Grâce à toi, fils de la colombe, mon royaume est devenu semblable au cœur de l'homme. Alors qu'une part ici accompagne sa présence corporelle, l'autre a trouvé sa demeure outre la mer. Il a mouillé ses ancres pour toujours en cette part du monde qu'éclairent d'autres étoiles. Celui-là ne pouvait se tromper qui prend le soleil pour guide. Et cette plage du monde que les savants jadis abandonnaient à l'illusion et à la folie, c'est d'elle maintenant que mon échiquier tire l'or vital qui anime ici toute la machine de l'État et qui fait pousser de toutes parts, plus drue que l'herbe de mai, les lances de mes escadrons. La mer a perdu ses terreurs pour nous et ne conserve que ses merveilles. Oui, ces flots mouvants suffisent mal à déranger la large route d'or qui relie l'une et l'autre Castille, par où se hâte, allant et revenant, la double file de mes bateaux à la peine, qui me porte là-bas mes prêtres et mes guerriers, et me rapporte ces trésors païens, enfantés par le soleil, qui, au sommet de sa course entre les deux océans, se tient immobile, un moment, en une solennelle hésitation. Le royaume que ces serviteurs d'hier ont acquis à votre majesté, la tâche de ceux d'aujourd'hui est de l'ouvrir et de la conserver. Il est vrai. Mais depuis quelque temps, je ne reçois de là-bas que nouvelles funestes. Pillage, descente de pirates, extorsion, injustice, extermination des peuples innocents. Et ce qui est plus grave encore, fureur de mes capitaines qui se taillent part pour eux de ma terre et se déchirent l'un contre l'autre, comme si c'était pour cette nuée de moustiques sanguinaires, et non pas pour le roi, seul à l'ombre de la croix pacifique, que Dieu ait fait surgir un monde du sein des eaux. Où le maître n'est pas, les muletiers se gourment. Je ne puis être à la fois en Espagne et aux Indes. Qu'un homme soit là-bas, la personne de votre majesté, au-dessus de tous, un seul, revêtu du même pouvoir.
Et qui choisirons-nous pour être là-bas nous-mêmes? Un homme raisonnable et juste. Ah. Quand les volcans de mon Amérique se seront éteints, quand ces flancs palpitants seront épuisés, quand elle se sera reposée de l'immense effort qui vient de la faire sortir du néant toute brûlante et bouillonnante, alors je lui donnerai pour la régir un homme raisonnable et juste. L'homme en qui je me reconnais et qui est fait pour me représenter n'est pas un sage et injuste. Qu'on me donne un homme jaloux et avide, qu'ai-je à faire d'un homme raisonnable et juste? Est-ce pour lui que je m'arracherai cette Amérique et ces Indes prodigieuses dans le soleil couchant s'il ne l'aime de cet amour injuste et jaloux? Est-ce dans la raison et la justice qu'il épousera cette terre sauvage et cruelle et qu'il la prendra toute glissante entre ses bras, pleine de refus et de poison? Je dis que c'est dans la patience et la passion et la bataille et la foi pure. Car quel homme sensé ne préférerait ce qu'il connaît à ce qu'il ne connaît pas, et le chant de son père à cette pépinière chaotique. Mais celui que je veux, quand il a passé ce seuil que nul homme avant lui n'a traversé, d'un seul éclair il a su que c'était à lui. Et cette sierra toute bleue, il y a longtemps qu'elle se dressait à l'horizon de son âme. Il n'y a rien dans cette carte sous ses pieds qui se déploie, qu'il ne reconnaisse et que d'avance je ne lui ai donné par écrit. Pour lui, le voyage n'a point de longueur et le désert point d'ennui. Il est déjà tout peuplé des villes qu'il y établira. Et la guerre, point de hasard, et la politique est simple. Il est seulement surpris de toutes ces résistances frivoles. Et de même, quand j'ai épousé l'Espagne, ce n'était pas pour jouir de ses fruits et de ses femmes à la manière d'un brigand, et de la toison de ses brebis, et des mines dans sa profondeur, et des sacs d'or que les marchands versent à la douane à la manière d'un rentier et d'un propriétaire. Mais c'était pour lui fournir l'intelligence. Et l'unité. Et pour la sentir tout entière, vivante et obéissante et comprenante, sous ma main. Et moi, à la manière de la tête qui seule comprend ce qui fait toute la personne. Car ce n'est pas l'esprit qui est dans le corps, c'est l'esprit qui contient le corps et qui l'enveloppe tout entier. Je ne connais qu'un homme qui répondent au désir de votre majesté. Il s'appelle Don Rodrigue de Manacor. Oh, je ne l'aime pas! Je sais que l'obéissance lui va mal, mais l'homme que vous me demandez ne peut être fait autrement qu'avec de l'étoffe de roi. Oh, il est trop jeune. C'est Amérique que vous allez lui donner, n'est moins à peine que lui. Il était tout enfant! Encore que déjà, elle était sa vision prodigieuse, quand il accompagnait son père, qui lui racontait Cortés et Balboa, et plus tard, ses passages à travers les Andes, sa descente, non moins comme Magellan sur la mer sans obstacle, mais du Pérou, au Para, à travers un océan de feuillage, son gouvernement de Grenade, ravagé par la sédition et la peste, ont montré qui était Rodrigue, votre serviteur. Je consens à Rodrigue qu'il vienne. Sire, je ne sais où il est. Oh. Déjà, je lui avais fait comprendre que l'Amérique de nouveau allait le requérir. Il m'a écouté d'un œil sombre, sans répliquer. Et le lendemain, il avait disparu. Oh.
qu'on me l'amène. De force. Scène 7. Le désert de Castille. Un site parmi les arbustes bas d'où l'on découvre une vaste étendue. Montagne romanesque dans l'éloignement. Une soirée d'une pureté cristalline. Don Rodrigue et le serviteur chinois sont allongés sur un talus à l'abri duquel paissent leurs chevaux débridés et ils inspectent l'horizon. Les cavaliers ont disparu. Ils sont là-bas, dans le petit bois tapis, faisant coucher leurs chevaux. L'un d'eux est blanc et éclaire tout le reste. Cette nuit, nous leur fausserons compagnie. Ce n'est pas nous qu'ils cherchent. N'est-ce pas ici la grande route de Galice à Saragosse et par où chaque année le jour de sa fête, Saint-Jacques, c'est aujourd'hui. Voyez-vous cette étoile qui file va solennellement rendre visite à Notre-Dame du Pilier. Ce sont des pèlerins qui vont se joindre au cortège? Pèlerins, j'ai vu des armes à la lueur de ce coup de pinceau phosphorique, peu soucieux de se faire voir trop tôt. Fort bien. Cette affaire ne nous concerne pas. Cependant, je garde un œil sur ce petit bois de pinasse. Et moi, je garde l'œil sur toi, cher Isidore. Wow. Ne craignez pas que je fuis. Pour autant que vous respecterez notre pacte et ne me ferez passer la nuit auprès d'aucun cours d'eau, source, puits. Mais crains-tu si fort que je te baptise subrepticement? Et pourquoi donc vous donnerais-je ainsi pour rien le droit de me faire chrétien et d'entrer au ciel avec l'ornement que je vous aurais fourni? Et compensation à d'autres desseins moins purs, il faut d'abord que vous serviez quelque peu monsieur votre serviteur. Et que je t'accompagne là où certaines mains noires t'appellent. Ou tout près, une main blanche vous fait signe. Ce n'est rien de vil que je veux. Appelez-vous de l'or une chose vile? C'est une âme en peine que je secours. Et moi, la mienne qui est captive. Oui, captive, au fond d'une bourse. Tout ce qui est à moi, c'est moi. Te plains-tu que je te veuille aider? Monsieur mon maître, plaise humblement votre seigneurie, acceptez que je n'ai pas confiance en votre seigneurie. Oui, j'aimerais beaucoup être en d'autres mains que les vôtres. Pourquoi m'y suis-je mis? C'est moi qui suis dans les tiennes. Nous sommes pris l'un par l'autre et il n'y a plus moyen de nous dépêtrer. Tort de vous faire cette promesse à la hâte dans le transport de mon tempérament. Au fond, qu'est-ce que cette eau que vous voulez me verser sur la tête et pourquoi y tenez-vous tellement? Qu'est-ce que vous y gagnez? Qui m'assure que les choses sont comme vous dites? Et quant à ce changement spirituel dont vous parlez, croyez-vous que ce soit agréable? Qui aimerait qu'on lui change ses rognons de place? Mon âme est bien comme elle est et je n'aime pas beaucoup que les autres y regardent et me la tripotent à leur idée. Si tu renies ta parole, c'est mauvais. Elle se vengera sur toi. Allons, c'est dit. Je renonce à cette heure là-bas et vous, renoncez à cette idole bien colorée. Tu t'égares, Isidore. Je répète que seul me presse le secours que je dois à cette âme en danger. Et vous ne voulez pas que j'aie peur quand j'entends un homme parler de cette façon? Pauvre Isidore. Ah, quel maître as-tu tiré au sort? En quelle main, par le désagrément des éléments lourds et subtils de la matière, as-tu chu? Vous m'avez mené à la comédie à Madrid, mais je n'y ai vu rien de pareil. Salut au sauveur de la femme des autres. Revenez à vous. Rapetissez votre cœur. Ouvrez-vous à mes sages paroles raisonnables et laissez-les enduire votre esprit malade comme le son d'un instrument. Mais qu'est-ce que cette femme que vous aimez? Au dehors, cette bouche peinte comme avec un pinceau, ses yeux plus beaux que s'ils étaient des boules de verre, ses membres exactement cousus et ajustés. Mais au-dedans, c'est le chagrin des démons. Le verre, le feu, le vampire attaché à votre substance. La matière de l'homme qui lui est entièrement soutirée, il ne reste plus qu'une forme brisée et détendue comme un corpuscule de cri-cri horreur.
Ne suis-je pas dans la dépendance de votre seigneurie? Que de fois ne l'ai-je pas supplié de songer au salut de son âme et de la mienne? Mais que seront dans 100 ans ces 100 livres de chair femelle auxquelles votre âme s'est amalgamée comme avec un crochet? Un peu d'ordure et de poussière, des os. Pour le moment, elle vit. Et moi, je certifie que dans une existence antérieure, cette diablesse vous a fait signer un papier et promesse de conjonction corporelle. Si vous le voulez, je m'engage à exhorter cette créature disgracieuse et à lui faire rendre, par le moyen de tourments et sollicitations physiques, votre chirographe prénatal. Tu m'étonnes, Isidore. La Sainte Église ne reconnaît la vie d'aucune âme antérieure à sa naissance. J'ai cependant étudié tous les livres que vous m'avez donnés et je pourrais les réciter d'un bout à l'autre. Frère Léon prétend que j'en sais autant que lui. Ni à ces choses qui sont derrière moi et me poursuivent, ni à celles qui sont devant moi, un point blanc là-bas sur la mer, entre les arbres sombres. Je sens que je ne pourrais échapper. Qu'est-ce qui est derrière vous? Le galop de ces chevaux qui me poursuivent. Le commandement du roi sur son trône qui m'a choisi entre tous les hommes pour me donner la moitié du monde. Celle-là qui, depuis l'éternité, était inconnue de tous jusqu'à moi. Ensevelie comme un enfant dans ses langes, cette part du monde toute nouvelle et fraîche comme une étoile qui a surgi pour moi de la mer et des ténèbres. Et ce n'est pas moi plus tard qui aurai à m'y faire une place, à m'y tailler une courte province, c'est moi qui la contient tout entière, alors que toute fraîche et humide, encore elle s'offre à recevoir pour toujours mon empreinte et mon baiser. Et qu'est-ce qui est en avant de vous? Un point fulgurant là-bas. Pareil à la vision de la mort. Est-ce un mouchoir qu'on agite? Est-ce un mur sur lequel frappe le soleil de midi? Je sais! C'est là que se trouve un certain monstre noir à qui, dans l'hilarité de mon âme, parce qu'un sage même n'est pas exempt d'incertitude, et quasi in lubrico, si je puis dire, je me suis laissé aller à prêter argent. Non point sans intérêt, j'en suis sûr. Je connais ton genre de libéralité. Quoi? N'est-ce point vertu que de donner illico au pétantibus? Et à quoi reconnaît-on la vertu, sinon à ce qu'elle comporte subitement sa récompense? Il va, nous retrouverons ton argent, puisque tu tiens à ne l'avoir que de ta noiraude. Le diable sait quel trafic vous avez manigancé. Et je te baptiserai, je serai débarrassé de toi, tu pourras retourner à ta Chine. C'est mon vœu le plus cher. Il est temps que je fructifie entre les infidèles. Car à quoi sert le jeune vin, sinon aux aubergistes pour le mettre dans de vieilles bouteilles? À quoi le boisseau, sinon pour en mesurer ses perles, qu'il nous est commandé de distribuer aux cochons? Plutôt que d'y emmagasiner le vain éclat de notre lumignon personnel. Mais tu te sers de l'écriture comme un épicier luthérien. Ramenez-moi seulement à Barcelone. Mais ce point-là où tu me conjurais de ne pas aller. Si je ne puis vous détourner de votre folie, au moins que j'en profite. Mais folie, ouais. Comme chacun l'appellerait. Mais j'ai follement raison. C'est raison que de vouloir sauver une âme en la perdant? Il y a une chose que pour le moment je puis seul lui porter. Et quelle est cette chose unique? La joie. Ne m'avez-vous pas fait lire 50 fois que pour vous, chrétiens, c'est le sacrifice qui sauve? C'est la joie seule qui est mère du sacrifice. Quelle joie? La vision de celle qu'elle me donne. Appelez-vous joie la torture du désir? Ce n'est point le désir qu'elle a lu sur mes lèvres, c'est la reconnaissance. La connaissance? Dites-moi seulement la couleur de ses yeux. Je ne sais. Ah! Je l'admire tellement que j'ai oublié de la regarder. Excellent. Moi, j'ai vu de grands vilains yeux bleus. Mais ce ne sont point ses yeux, c'est elle-même tout entière qui est une étoile pour moi. Jadis, sur la mer des Caraïbes,
quand, à la première heure du matin, je sortais de ma caisse étouffante pour prendre la veille, et qu'une seconde, on me montrait cet astre original, cette splendide étoile, toute seule, au bandeau du ciel transparent. C'était le même sentiment au cœur, une seconde. La même joie immense et folle. Aucun homme ne peut vivre sans admiration. Il y a en nous l'âme qui a horreur de nous-mêmes. Il y a cette prison dont nous avons assez. Il y a ces yeux qui ont le droit de voir à la fin. Il y a un cœur qui demande à être rassasié. Mais bientôt, je ne trouvais plus au firmament que ce feu de plomb trop connu. L'opaque et surfalot, triste guide du navigateur sur les eaux inaltérées. Oh! Cette fois, voici bien autre chose qu'une étoile pour moi, ce point de lumière dans le sable vivant de la nuit. Quelqu'un d'humain, comme moi, dont la présence, le visage, hors la laideur et la misère de ce monde ne sont compatibles qu'avec un état bienheureux. Un festin pour tous les sens. Les sens, non. Je les compare aux goujats qui suivent l'armée pour dépouiller les morts et profiter de la ville prise. Je n'accepterai point si facilement cette rançon payée par le corps pour l'âme qui s'est dérobée et qu'il y ait une chose en elle dont je cesse d'avoir besoin. Mais je dis mal. Je ne calomnierai pas ces sens que Dieu a faits. Ce ne sont point de villes acolytes, ce sont nos serviteurs qui parcourent le monde tout entier jusqu'à ce qu'ils aient trouvé enfin la beauté. Cette figure devant laquelle nous sommes si contents de disparaître. Tout ce que nous lui demandons est que nous n'ayons plus pour toujours qu'à ouvrir les yeux pour la retrouver. Pas autre chose, vraiment? Ce n'était pas la peine de nous déranger. Je crains que notre conversation pour cette dame ne soit pas d'un grand profit. Est-ce pour rien que, si bien cachée, je l'ai découverte? La peste soit de cette tempête qui nous jeta sur la côte d'Afrique et de cette fièvre qui nous retint là-bas. Mais ce fut son visage que je vis en me réveillant. Dis, crois-tu que je l'ai reconnu sans qu'elle le sache? Oui, il faudrait savoir ce qui s'est passé avant notre naissance. À ce moment, je ne voyais rien. Oui, je me rappelle que je n'en étais pas encore à mes yeux pour que rien ne vînt déranger ma préparation du papillon Isidore. Mais laisse là ta vie intérieure. À moins que dans la pensée de celui qui nous a fait déjà, nous ne fussions étrangement ensemble. Mais c'est sûr, nous étions déjà ensemble tous les trois. Déjà, elle était l'unique frontière de ce cœur qui n'en tolère aucune. Déjà, mon cher parrain, vous pensiez à me la donner pour ma reine. Déjà, elle contenait cette joie qui m'appartient et que je suis en route pour lui redemander. Déjà, elle me regardait avec ce visage qui détruit la mort. Car qu'est-ce qu'on appelle mourir sinon de cesser d'être nécessaire? Quand est-ce qu'elle a pu se passer de moi? Quand est-ce que je cesserai d'être cela sans quoi elle n'aurait pu être elle-même? Tu demandes la joie qu'elle m'apporte. Ah, si tu savais les mots qu'elle me dit pendant que je dors, ces mots qu'elle ne sait pas qu'elle me dit, et je n'ai qu'à fermer les yeux pour les entendre. Des mots qui vous ferment les yeux et à moi qui me ferme la bouche. Ces mots qui sont le poison de la mort, ces mots qui arrêtent le cœur et qui empêchent le temps d'exister. N'existe plus. Regardez. Déjà un de ces astres pour vous qui ne servent plus à rien, le voilà qui s'en va. Et qui, au travers de la page céleste, fait une grande rature de feu. Que j'aime ce million de choses qui existent ensemble. Il n'y a pas d'âme si blessée en qui la vue de cet immense concert n'éveille une faible mélodie. Vois. Pendant que la terre, comme un blessé qui a cessé de combattre, exhale un souffle solennel, le peuple des cieux, sans aucun déplacement, comme employé à un calcul tout fourmillant de sa mystérieuse besogne. Au milieu, les trois étoiles. Le bâton de cet énorme pèlerin qui, tour à tour, visite les deux hémisphères. Ce que vous appelez le bâton de Saint-Jacques. Regarde, mon amour.
Tout cela est à toi. Et c'est moi qui veux te le donner. Étrange lumière que ce million de gouttes de lait. Là-bas, sous les feuilles, il éclaire une femme qui pleure de joie et qui baise son épaule nue. Qu'importe cette épaule, je vous prie, monsieur le sauveur d'âme. Mais cela aussi fait partie des choses que je ne posséderai pas dans cette vie. Et je dis que c'était son âme seule que j'aimais. C'est elle, tout entière. Et je sais que son âme est immortelle, mais le corps ne l'est pas moins. Et de tous deux, la semence est faite pour être appelée à fleurir dans un autre jardin. Une épaule qui fait partie d'une âme et tout cela ensemble qui est une fleur, comprends-tu, mon pauvre Isidore, ou ma tête. Isidore, si tu savais comme je l'aime et comme je la désire. Ah, maintenant je vous comprends et vous ne parlez plus chinois. Et crois-tu donc que ce soit son corps seul qui soit capable d'allumer dans le mien un tel désir? Mais ce que j'aime, ce n'est point ce qui en elle est capable de se dissoudre et de m'échapper et d'être absent et de cesser une fois de m'aimer. C'est ce qui est la cause d'elle-même, c'est cela qui produit la vie sous mes baisers, non la mort. Si je lui apprends qu'elle n'est pas née pour mourir, si je lui demande son immortalité, cette étoile, sans le savoir au fond d'elle-même qu'elle est, comment pourrait-elle me refuser? Ce n'est point ce qu'il y a en elle de trouble et de mêlé, d'incertain que je lui demande. Ce qu'il y a d'inerte et de neutre et de périssable, c'est l'être tout nu, la vie pure, c'est cet amour aussi fort que moi sous mon désir, comme une grande flamme crue, comme un rire dans ma face. Ah ! Me le donna-t-elle ? Je défaillis, la nuit vient sur mes yeux. Me le donna-t-elle ? Et il ne faut pas qu'elle me le donne. Ce n'est point son corps chéri jamais qui réussirait à me contenter. Jamais autrement que l'un par l'autre, nous ne réussirons à nous débarrasser de la mort. Comme le violet, s'il se fond avec l'orange, dégage. Le rouge, tout pur. C'est gai. Nous savons ce qui se cache sous ces belles paroles. Je sais que cette union de mon être avec le sien est impossible en cette vie. Et je n'en veux aucune autre. Seule l'étoile qu'elle est peut rafraîchir en moi cette soif affreuse. Pourquoi donc nous rendons-nous présentement à Barcelone ? T'ai-je point dit que j'ai reçu d'elle une lettre ? Les choses s'éclairent peu à peu. Venez, je serai à X. Je pars pour l'Afrique. On a de grands reproches à vous faire. C'est une femme gitane qui m'a apporté ce papier. Je suis parti cédant à tes sollicitations pendant que les gens du roi me poursuivaient. Oui, c'est moi. Accusez-moi, je vous prie. Les affaires de mon âme et de ma bourse, vous n'aviez que cela à cœur. Tout pesait dans le même sens. La goutte d'eau qui s'accumule. Et l'Espagne tout entière pour moi comme un plateau qu'on incline. Oh, cette noire statue là-bas, cet argent à moi, aïe, aïe, aïe. Oh, cette bourse que je lui ai donnée dans l'impétuosité de mon sentiment intestinal. J'espérais qu'au-dessous de ce sein exotique, elle s'enfleurait peu à peu, mélodieusement, comme un fruit. Des reproches, a-t-elle dit ? Je me suis mépris. Oui, ce sont des reproches seulement qu'elle veut me faire entendre. Oh, il faut que je n'existe plus. Il me faut me faire comprendre ces choses qui font qu'elle ne m'aimera jamais. J'en fournirai de mon côté quelques-unes. Il faut que je vois bien qu'elle a raison et que je l'approuve. Il me faut l'entendre condamner ce cœur qui ne bat que pour elle. J'ai soif de ces mots destructeurs. Encore. Je suis avide de ce néant qu'elle veut établir en moi. Car je sais que c'est seulement dans le vide absolu de toute chose que je la rencontrerai. Est-ce parce que je suis beau ou noble ou vertueux que je voudrais qu'elle m'aime, ou pour rien autre chose que ce besoin désespéré que j'ai de son âme? Ou, quand je pense à elle, est-ce que je désire rien d'elle autre que tout à coup vers moi ce mouvement sacré de son cœur? Est-ce que tout d'elle alors ne disparaît pas? Oui, même ses yeux si beaux. Je veux
la confronter pour témoin de cette séparation entre nous si grande que l'autre, par le fait de cet homme avant moi qui l'a prise, n'en est que l'image, cet abîme qui va jusqu'au fondement de la nature et que franchira seul hors de tout motif et mérite cet acte de foi que nous ferons l'un dans l'autre, ce serment dans l'éternité. Je sais qu'elle ne peut être à moi que par un acte gratuit. Rien n'est gratuit. Que ce précieux élixir caillé au fond de cette fiole mince que liquéfie la bénédiction de Notre-Dame de la Pitié. Vous voyez, les gouttes qui s'en échappent prennent feu dès qu'elles touchent notre air épais. Ce n'est pas Notre-Dame que tu vois, mais cette idole chinoise sur un follicule que tu avais retrouvé et dont tu ne te pouvais et dont tu ne pouvais détacher tes regards. Une seule goutte de parfum est plus précieuse que beaucoup d'eau éparse. Dis-tu cela de toi-même ou de qui cette parole est-elle prise ? Quand je ferme les yeux, par une nuit comme celle-ci, bien des choses me reviennent d'on ne sait où à la pensée. J'entends un son grave, comme celui d'un tambour de bronze. Et cela est associé à une idée de désert et de grand soleil et d'une ville sans aucun nom derrière des murailles crénelées. Je vois un canal où se reflète le croissant de la lune et l'on entend le froissement d'une barque invisible dans les roseaux. Et cependant, tu étais bien petit encore, m'as-tu dit, quand tu as quitté la Chine après que les jésuites en t'achetant t'avaient sauvé de la mort. Mort du corps et celle de l'âme, grâce soit au ciel suprême, dont je vois ce soir comme une coulée gagnée sur ce pont que fait la terre entre les deux maisons de la nuit. En effet, qu'est-ce ceci ? Du fond de l'Occident, je vois s'avancer en bon ordre une quantité de petites lumières. Et là-bas, à l'Orient, à la crête de cette colline, apparaît un autre cortège. C'est Jacques, qui chaque année, au jour de sa fête, s'en vient rendre visite à la mère de son Dieu. Et celle-ci maternellement fait le tiers du chemin à sa rencontre, selon qu'il a été solennellement stipulé par devant notaire après de longues disputes. Attention ! Je vois les petites lumières à l'ouest qui se dispersent, tout s'éteint. Mais c'est la flamme rouge des arquebuses, écoute ! On crie ? Je crains que ce ne soit nos pèlerins de tout à l'heure, ce que nous avons vu se tapir derrière la pinède. Et penses-tu qu'ils vont s'en prendre à Saint-Jacques ? Oui, mais ce sont sans doute des hérétiques ou des maures, et la statue est d'argent massif. Mon épée ! Volons au secours de Monsieur Saint-Jacques ! Et quand nous l'aurons arraché aux mécréants, nous ne le rendrons pas sans une bonne rançon. Saint-Nouit, une auberge au bord de la mer. Traître ! Oh ! Il faut que je te tue ! Fifi, dis-moi, qu'as-tu fait, fille, de mon joli zizouilli que tu m'as pris ? Bonjour, madame. Méchant, je te reconnais bien. Et moi, je ne veux pas vous écouter. En or que je t'ai donné. Mon joli bracelet tout en or que je t'ai donné. Il valait plus de 200 pistoles. Où il y avait accroché une main, une guitare, une clé, une goyave, un sou, un petit poisson et 20 autres jolies choses qui font bonheur ensemble. Prends garde. J'ai prié dessus. Ouais, j'ai chanté dessus, j'ai dansé dessus et je l'ai arrosé avec le sang d'une poule noire. De sorte que c'est joliment bon pour moi, mais celui qui me l'aura pris, ça le rend malade. Il crève. Je suis content d'en être débarrassé. Quoi ? C'est vrai ? Tu l'as vendu ? Mauvais chat ! Ne me l'aviez-vous pas donné ? Je te l'avais prêté. Tu disais que ça te porterait bonheur, méchant, pour une certaine affaire que tu avais à faire en enfer. Après quoi, tu es parti d'ici par une fente de la muraille, retirant ta jambe. Comme les lézards, les scorpions, les chevals bon Dieu et les autres animaux secs. Dis-moi, le capitaine qui part pour l'Inde, la première chose qu'il fait, ce n'est pas d'aller chez le banquier qui lui procure des armes et des vivres, de l'argent pour la paye de ses soldats et de ses marins. Il revient l'année prochaine avec 10 sacs d'or. Mais tu ne reviens pas avec un sac. Je ne reviens pas avec un sac. Et ce ne sera pas joli
Si je te donne un grand morceau de soie verte et rouge, de quoi faire 15 mouchoirs et un collier en or qui te fera 4 fois le tour du cou et un bracelet en or et encore un bracelet en or et item un autre bracelet en or et de rechef un autre troisième, quatrième et cinquième bracelet en or. Où c'est que tu as mis tout ça? Où c'est que j'ai mis tout ça? Et où c'est qu'il l'avait mise, ta maman? Après que s'étant caché derrière une touffe de bananier, il l'eut prise avec toutes les femmes de son village pendant qu'elle pilait du mil au clair de lune, ce brave portugais de Portugal, quand il l'amena au Brésil pour lui apprendre les bonnes manières et le goût de la canne à sucre. Il n'y a rien de meilleur. S'il n'avait eu cette inspiration, au lieu d'être aujourd'hui cette matrone respectée, oracle de la maison du juge, les cheveux accommodés avec de l'huile de palme et vêtue d'un morceau de papier, tu serais encore et à danser comme une niaise sur les bords du fleuve Zaïre, essayant d'attraper la lune avec les dents. La matrone, le clair de lune, l'huile de canne. Tu me tournes la tête, je sais plus où j'en suis. J'en étais à mon argent que tu m'as pris, voleur! Cet argent que je t'ai pris? Eh, ce n'est pas beaucoup plus que de l'argent, cette étoile que j'ai été cueillir dans la montagne avec les doigts, cette mouche à feu que j'ai attrapée avec la main et placée dans une petite cage au moment qu'avec le dessous de son cœur, elle essayait d'embraser une fleur de jasmin. Tu parles de cette pauvre jeune fille avec laquelle tu nous es arrivé l'autre jour? Tous deux cachés dans le fond de cette charrette chargée de roseaux. Maintenant, la barque est prête. Ce soir, si le vent l'est aussi, nous faisons route vers le rivage latin. Et le bracelet que tu m'as pris? Et la chaîne que tu dois me donner à la place? Suis-les! Attache-toi fort à moi. Qui t'empêche de nous accompagner? Que veux-tu faire de cette pauvre jeune fille? J'ai promis de lui donner le roi de Naples. Et pourquoi pas? C'est une idée qui m'est venue tout à coup. Je suis sûr qu'il y a un roi à Naples. Je lui ai dit que le roi de Naples l'avait vu en songe. Ah, 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 quel délicieux jeune homme j'ai fabriqué aussitôt. Il m'envoie fouiller le monde pour la trouver. Je la reconnaîtrai à ce signe d'une tache en forme de colombe qu'elle a au-dessous de l'épaule. Et elle avait ce signe? En effet? Voilà qui est étrange! Elle l'avait! Elle me l'a dit! Jamais elle n'a voulu me le montrer. Comment l'appelle-t-on? On l'appelle Donia Musique à cause d'une guitare dont, heureusement, elle ne joue jamais. Son vrai nom est Donia Delis. Et personne ne s'est aperçu de son départ? On voulait la marier de force à une espèce de vilain toucheur de bœuf vêtu de cuir, une mâchoire solennelle qui vous descend des gos. Le pauvre petit cœur a dit qu'elle voulait aller dans un couvent du voisinage pour demander lumière et conseil, et nous sommes partis dans un couvent du voisinage pour demander lumière et conseil, tous les deux sur le même cheval. On vous poursuit? On ne nous aura pas! Et déjà, je sens les premières bouffées de ce béni vent de Castille qui, tout à l'heure, va entraîner notre léger esquif. Que vas-tu faire de cette pauvre jeune fille? Crois-tu donc que je vais l'endommager? C'est comme un pâtissier qui consommerait ses flans. Je m'évapore à ses pieds dans le respect et l'attendrissement. Je souffle dessus pour enlever la poussière. J'y jette un peu d'eau avec le bout des doigts. Je l'époussette chaque matin avec un petit plumeau fait de duvet de colibri. Garde l'œil, commère, sur le chemin qui s'en va tournillant là-bas, jusqu'à cette montagne qui a forme d'un lion couché, jusqu'à ce qu'y apparaisse cette chose qui d'avance me fait mal au ventre, certains nuages de poussière où brille l'éclat des armes et des étriers. Ah, quel beau métier que le mien! Il ne me rapporterait nul gage que je n'en voudrais point d'autre. C'est la corde qui sera ton salaire, ô grand vilain méchant. Jamais de corde pour moi. Je fais retraite dans le décor. Je ferme les yeux et aussitôt, il n'y a plus moyen de me distinguer d'un pied de grenadier. Rassurez-vous, touchante jeune fille.
Votre ami, le sergent Doré, est encore là pour aller vous chercher au fond des trous où vous moisissez avec une canne à pêche. Quand se gonfle votre petit cœur innocent, quand votre âme délicatement frémit au son de l'ami inconnu là-bas, quand vous sentez que vous êtes comme ces graines que la nature a pourvues de plumes et de duvets afin qu'elles s'envolent au gré d'avril, alors j'apparais sur le rebord de la fenêtre, battant des ailes et peint en jaune. Une autre partie du désert de Castille, un chemin creux parmi les roseaux et les chênes verts. Il vient d'y avoir une bataille. On voit par terre des cadavres, parmi lesquels celui de Don Luis masqué. Ça et là, des carrosses et voitures de charge, des chevaux que les valets tiennent par la bride. Seigneur cavalier, je vous remercie. Je suis heureux d'avoir pu sauver mon seigneur Saint-Jacques. Ce n'est nullement un Saint-Jacques. Qu'en voulez, monsieur? Oh, il s'est battu comme un gentilhomme et j'ai cru que je n'en viendrais pas à bout. Ouais, et notre pourpoint a souffert. Vous sentez-vous sérieusement blessé? Non, peu de choses. Donnez-moi l'une de ces voitures. Mon serviteur prendra soin de moi. Oh. Hé, vous, ma chère sœur, reprenez vos sens. Ne restez donc pas ainsi toute blanche et interdite. Et remerciez ce cavalier qui nous a sauvés tous. Je vous remercie. Scène 10. Le jardin de l'auberge. Chose. Comme je suis contente de causer avec vous. Prenons garde seulement, petite sœur, que Don Balthazar ne nous voit. Le jour tombe. C'est l'heure où le bon seigneur relève ses sentinelles, de peur que sa captive ne s'envole. Je suis contente d'être si bien gardée. J'ai vérifié toutes les sorties. Il n'y a pas moyen d'échapper quand je le voudrais. Quel bonheur. Et cependant, je suis entrée sans nulle permission ici. Qui aurait été vous chercher, mélanger comme une couleuvre à ce grand tas de roseaux? Maintenant, c'est moi qui vous tiens et qui vous empêcherai de fuir. Est-ce vous qui m'empêchez de fuir? Ou bien est-ce moi, au contraire, qui me suis prise à vous d'une manière si gentille que vous ne savez plus comment vous dépêtrer? Oh, comme vous êtes belle. Et comme je vous aime. Si j'étais votre mari, je voudrais toujours vous tenir dans un sac. Je serais terrible avec vous. Dès qu'il sera de retour, j'arrangerai cette affaire. Vous n'arrangerez rien du tout, car il s'est mis en tête de me marier avec le toucheur de bœufs, et moi, je m'envole sur le rebord du toit et je me moque de lui. C'est le gentil roi de Naples qui sera mon mari. Il n'y a pas de roi à Naples. Il y a un roi de Naples pour musique. N'essayez pas de me faire de la peine, ou bien je vous casserai le petit doigt. Et ce n'est pas vrai non plus, peut-être, que j'ai cette tache sur l'épaule comme une colombe. Je vous l'ai montré. C'est toi, la colombe. Mon Dieu, comme il sera content quand il me tiendra dans ses bras.
que le temps m'a duré. Fallait-il donc m'obliger à te chercher si loin ? Musique ? Tira-t-il. Il me semble que je l'entends. Oh, comme je serais content de l'entendre me dire mon nom ! Lui seul le sait désormais. Folle ? Tu ne l'as jamais vu ? Je n'ai pas besoin de le voir pour connaître son cœur. Qui donc m'appelait si fort ? Croyez-vous que ce n'était pas dur de partir ainsi ? Et de fouler aux pieds tous les miens ? Il m'appelle et je lui réponds aussitôt. Oui. Musique, je le sais. Celui que ton cœur attend, je suis sûre qu'il ne peut pas te faire défaut. Le vôtre n'attend-il plus personne ? Mais qui oserait en menacer la paix quand il est sous la protection d'une telle beauté ? Ah, vous étiez fait pour marcher de compagnie, hein ? Vous et cet homme terrible qui essayait de m'attraper tout à l'heure et dont la charge est de donner la mort. Cependant, vous voyez que le seigneur Balthazar ne se fie pas à ma beauté seule pour me défendre et qu'il a multiplié les gardes autour de ce vieux château. C'est moi-même qui lui ai demandé. Aimez-vous tellement votre prison que vous vous plaisiez ainsi à la rendre plus sûre ? Il y faut des barreaux bien forts. Que peut le monde contre vous ? C'est moi, sans doute, qui peux beaucoup contre lui. Je ne veux d'aucune prison. La prison pour quelqu'un ? Il dit qu'elle est là où je ne suis pas. Il y a une prison pour moi. Et nul ne pourra m'en arracher. Quelle musique ? Les bras de celui que j'aime. Elle est prise, la folle musique. Elle échappe. Elle n'est là que pour un moment. Qui pourrait la retenir pour toujours avec son cœur ? Déjà, je suis avec lui, sans qu'il le sache. C'est à cause de moi, avant qu'il m'ait connue, qu'il affronte à la tête de ses soldats tant de fatigue. C'est pour moi qu'il nourrit les pauvres et pardonne à ses ennemis. Ce ne sera pas long à comprendre que je suis la joie et que c'est la joie seule et non pour l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. Oui, je veux me mêler à chacun de ses sentiments comme un sel étincelant et délectable qui les transforme et les rince. Je veux savoir comment elle s'y prendra désormais pour être triste. Et pour faire le mal quand il le voudrait, je veux être rare et commune pour lui comme l'eau, comme le soleil. L'eau, pour la bouche altérée qui n'est jamais la même quand on y fait attention. Je veux le remplir tout à coup et le quitter instantanément. Et je veux qu'il n'ait alors aucun moyen de me retrouver, et pas les yeux, ni les mains, mais le centre seul et ce sens en nous. De l'ouïe qui s'ouvre, rare et commune pour lui, comme la rose, qu'on respire tous les jours tant que dure l'été, et une fois seulement, ce cœur qui m'attendait. Quelle joie pour moi de le remplir! Et si parfois, le matin, le chant d'un seul oiseau suffit à éteindre en nous les feux de la vengeance et de la jalousie, que sera-ce de mon âme dans mon corps? Mon âme a ses cordes ineffables unies en un concert que nul autre que lui n'a respiré. Il lui suffit de se taire pour que je chante. Où il est, je ne cesse d'être avec lui. C'est moi, pendant qu'il travaille, le murmure de cette pieuse fontaine. C'est moi, le paisible tumulte du grand port dans la lumière de midi. C'est moi, mille villages de toutes parts dans les fruits. Qui n'ont plus rien à redouter du brigand et de l'exacteur. C'est moi, petite, oui. Cette joie stupide sur son vilain visage. La justice dans son cœur. Ce réjouissement sur sa face. Il n'y a rien pour quoi l'homme soit moins fait que le bonheur et dont il ne se lasse aussi vite. Est-il fait pour la souffrance ? S'il la demande, pourquoi la lui refuser ? Comment souffrir quand vous êtes là ? Qui vous regarde oublie de vivre et de mourir. Il n'est pas là. Donc il y a quelqu'un. Sœur chérie.
dont l'absence ne cesse de vous accompagner. Petite sœur, vous êtes trop hardie. Silence. Qui oserait lever les yeux sur Proèse? Qui saurait les en arracher? Qui troublerait son cœur? Une voix seule au monde, une voix seule et qui parle tout bas. Intérieure à ce sacrement indissoluble. Voudriez-vous qu'elle se tue? Je ne vis que par elle. L'aimez-vous à ce point? Qu'oses-tu dire? Non, je ne l'aime aucunement. Regrettez-vous ce temps où vous ne le connaissiez point? Maintenant, je vis pour lui. Comment? Que votre visage lui est pour toujours interdit. Ma souffrance ne l'est pas. Ne voulez-vous pas son bonheur? Je veux qu'il souffre aussi. Il souffre en effet. Jamais assez. Il appelle. Ne lui répondez-vous pas? Je ne suis pas une voix pour lui. Qu'êtes-vous donc? Une épée! Au travers de son cœur. Scène 11. Près de l'auberge, une région de rochers fantastiques et de sable blanc. Vive maman jolie, qui m'a faite si noire et si polie. C'est moi le petit poisson de la nuit. C'est moi le petit totan qui tourne. C'est moi le chaudron qui ballotte et qui bondit dans l'eau froide. Qui bouge et qui boue. Pour toi, papa cheval potame. Pour toi, papa cheval potame. Pendant que tout le fleuve tourne vers moi. Pendant que tous les villages tournent vers moi. Pendant que la forêt tourne vers moi. Tourne vers moi. Pendant que tous les bateaux tournent vers moi. À cause du trou que je fais. À cause du bouillon que je fais. À cause du nœud que je fais dans cette eau qui mousse. Et qui remue. J'ai de l'eau pour me rincer. J'ai de l'herbe pour me graisser. Frottez, frottez. Je ne suis pas noire. Je brille comme un miroir. Je bondis comme un cochon. Je claque comme un poisson. Je tourne comme un petit canon. Petit monsieur italien, j'ai mis un sou dans ta poche. Tout ce qui t'empêchait de m'aimer, je l'ai tué. Je l'ai cassé avec le sang d'une poule coupée. Je n'ai qu'à tourner, tourner, tourner. Viens vers moi, tu ne peux me résister. Tous les fils qui me rattachent à toi, je les enroule en tournant sur moi comme sur une bobine. Tu viens? Je te rapproche. Je te raccourcis en tournant sur moi comme un petit canon, en tournant comme la corde sur le treuil qui arrache l'encre d'entre les racines. Ici. Imberbe créature, tu as beau ajouter à ta couenne noire ce tégument varié, je te perce jusqu'à l'âme. Je vois le cœur tout étouffé par le téton comme une pelote sombre jetant un rayon maléfique. Je vois le foie comme une enclume où les démons viennent forger le mensonge et les deux poumons au-dessus comme d'affreux soufflets.
Je vois les entrailles comme un paquet de reptiles d'où s'échappe une vapeur infecte et balsamique. Et que vois-tu encore ? Je vois mon argent. Tout empilé de chaque côté de la colonne vertébrale, comme les grains dans un épi de maïs. Je m'en vais le reprendre sur le champ. Arrête ! Mon amour chéri. Si tu me tues, je ne pourrai pas te faire voir le diable. Tu me l'avais déjà promis, et c'est ainsi que tu m'as extorqué cet argent. Et jamais plus ton maître ne remettra les yeux sur Donia Prouez. Un pur alligator, enfant musqué de la boue et gros ver de marée basse. Nous reprendrons adultérieurement cette conversation, je te tiens. Donia Merveille est dans cette forteresse, et Don Balthazar la défend. Et Don Pélage revient demain ou après-demain, et il enlève Donia Merveille en Afrique. Et Don Rodrigue ne la reverra plus. Tu. Il ne la reverra pas. Tralala. Écoute. Le seigneur Rodrigue a été navré et jeté par terre, cependant que l'épée au poing, il s'est forcé de défendre Jacques contre les brigands. Quel Jacques ? Saint-Jacques, en argent. Nous l'avons transporté ici, Rodrigue, je dis, dans le château de madame sa mère, qui est à 4 lieues de cette auberge. Madone ? Ouais, dis-lui qu'il va crever. Dis-lui qu'il veut la voir. Dis-lui qu'elle aille le rejoindre aussitôt, en foulant aux pieds le bon usage. Quant à moi, puisque mes exhortations accompagnées de profonds soupirs n'ont pu le réincorporer, il ne me reste plus qu'à me retirer en silence, après l'avoir installé au sein de son vomissement, donnant libre cours à la pudeur. Quant à toi, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies montré le diable. Et pourquoi tu tiens tellement à voir le maudit? Et plus j'aurai de belles relations de ce côté, et plus mon âme aura de prix aux yeux de ceux qui veulent m'arroser. Mais comment veux-tu que Donia Prouez quitte cette auberge, qui est de toutes parts gardée? Écoute, j'ai rencontré ce matin une bande de cavaliers. Ils cherchent une demoiselle appelée Musique, qu'un certain sacripant de Naples a enlevée. Musique, ciel. Tu la connais? Poursuis. Aussitôt, par force et par menace, ils m'ont arraché l'aveu que ladite Musique se trouve dans cette auberge au bord de la mer qu'occupe d'affreux pirates. Mais ce n'est pas vrai. Je le sais, qu'importe. Demain soir, on attaque Balthazar et ses troupes. Mais ils ne trouveront rien. Ils trouveront du moins une certaine sorcière que j'ai décrite, qui est la plus dangereuse complice du voleur aux yeux de velours. Je ne rentre pas à l'auberge. Alors je te tue sur la place. Donia Prouez est là. Qui sera tout arrangé. Dis-lui que, profitant du tumulte, elle fuit avec toi. Comment ? À 100 pas de l'auberge là-bas, derrière les figuiers de barbarie, je l'attends avec mon valet et des chevaux pour elle et pour toi. Scène 12. Le ravin profond qui entoure l'auberge, plein de ronces, de lianes et d'arbustes entremêlés. Sur le bord se tient l'ange gardien. Regardez-la, qui se démène au milieu des ronces, des épines et des lianes entremêlées, glissant, rampant, des ongles et des genoux essayant de gravir cette pente abrupte et ce qu'il y a dans ce cœur désespéré. Qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer? Est-ce que je ne suis pas une créature comme elle? Est-ce que les créatures de Dieu ne sont rattachées par aucun lien? Ce qu'ils appellent la souffrance. Est-ce que cela se passe dans un monde à part et de tout le reste exclu? Est-ce qu'elle échappe à notre vision?
Est-ce qu'elle est une chose agréable à contenir pour cet être qui embrasse son objet? Est-ce qu'elle est étrangère à cet amour, à cette justice dont nous sommes les ministres? À quoi servirait-il d'être un ange gardien si nous ne la comprenions pas? Qui pleinement voit le bien, celui-là seul pleinement comprend ce qu'est le mal. Eux ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, est-ce que j'aurais été choisi pour la garder si il n'y avait pas un lien secret de parenté? Oh. Ah, enfin, elle est tout de même venue à bout de ses ronces et de ses épines charitables qui voulaient la retenir. La voici qui apparaît sur le bord du fossé. Oui, tu es belle, ma pauvre enfant, avec ses cheveux défaits dans ce costume indécent, ses joues couvertes de terre et de sang, et ce regard dans tes yeux qui me fait mal de résolution et de folie. Tu me fais honneur, et j'ai plaisir à montrer ainsi ma pauvre petite sœur. Si seulement il n'y avait personne pour nous voir. Je suis seule. Elle dit qu'elle est seule. Je suis libre. Hélas. Rien ne m'a retenue. Nous ne voulions d'autre prison pour toi que l'honneur. Il fallait mieux me garder. J'ai été loyale, j'ai donné avertissement à Don Balthazar. Il va payer ta fuite de sa vie. Rodrigue va mourir. Il est encore temps de perdre son âme. Rodrigue va mourir. Il vit. Il vit. J'entends quelqu'un qui me dit qu'il vit encore. Il est encore temps que je l'empêche de mourir avec mon visage. Ce n'est point l'amour de Donia Pruez qui l'empêchera de mourir. Du moins, je puis mourir avec lui. Écoutez, avec quelle horrible facilité elle parle de déposer cette âme qui ne lui appartient pas et qui l'a coûté tant de peine à faire et à racheter. Il n'y a que Rodrigue au monde. Essaie donc de le rejoindre. L'effort était trop grand. Je meurs. J'ai cru que je ne sortirais jamais de ce fossé. Il me serait facile de te maintenir ici si je le voulais. Rodrigue m'appelle. Porte-lui donc ce cœur où mon pied s'est posé. Il le faut. Vois où tu vas m'amener. Debout, Pruez. Je regarde Dieu. Rodrigue. Hélas, j'entends une autre voix dans le feu qui dit « Pruez ». Que le chemin est long jusqu'au buisson là-bas. Il était plus long encore jusqu'au calvaire. Rodrigue, je suis à toi. Tu es à lui? C'est toi qui le rempliras avec ton corps d'excommunié? Je sais que je suis un trésor pour lui. On ne lui ôtera pas cette idée de sa petite tête stupide. En marche. En marche. Rodrigue, je suis à toi. Tu vois? Comme j'ai rompu ce lien si dur. Rodrigue,
suis à toi. Rodrigue, je vais à toi. Moi, je t'accompagne. Scène 13. L'auberge. Dans un coin, le porche fortifié, avec une lourde porte garnie de clous, de verrous et fermée de barres de fer. Au fond de la Seine, encadrée par des pins, la ligne de la mer. Le soir. C'est entendu! Dès que ces canailles attaqueront, ordre à tous de rallier aussitôt et de garnir les tambours et chemins couverts que j'ai fait préparer des deux côtés de la porte. Et défense absolue de tirer avant que j'ai levé mon chapeau. Laisserai-je pas quelques sentinelles du côté du ravin ? Ne divisons pas nos forces. De ce côté, l'auberge est défendue assez par ce fossé parfaitement impraticable. Je m'en suis rendu compte moi-même. Que dites-vous, monsieur Lalferès ? Je dis, croyez-vous tout ce que raconte ce Chinois ? Sa présence suffit, je le connais. Une chance que je faisais ma ronde cette nuit et que j'ai entendu des cris de notre pauvre Jo Barbara. Elle se cramponnait à lui des ongles et des dents. Mais si je n'étais pas arrivé, je crois qu'il la fendait comme une figue ! Comptez sur moi pour défendre l'argent du roi contre ses brigands. Oh, nous avons plus que de l'argent à défendre. Donia Brouez ? Je n'ai rien dit. Mais le Chinois prétend que c'est le dieu des amours et non celui des voleurs que vous verrez voltiger tout à l'heure à travers la fumée de vos arquebuses. Que ce soit une plume ou l'autre, pan ! C'est cela ! Descendez-le, seigneur Alferes. C'est un service que vous nous rendrez à nous tous. Je parle pas pour moi. Mais pourquoi faut-il toujours que je sois mêlé aux affaires d'amour des autres quand personne jamais ne s'intéresserait aux miennes ? Bon, supposons qu'on vous ait chargé de garder quelqu'un, oui, disons, un grand criminel. Et celui qu'elle aime, elle apprend qu'il se meurt et qu'il demande à la voir. Est-ce que cela vous amuserait d'entendre ses larmes et ses supplications ? Hein ? À quoi cela sert-il ? Est-ce que c'est honnête de me tourmenter ainsi ? Comme si j'étais libre moi-même de ne pas faire ce qui est écrit et que l'on m'a commandé ? Est-ce que vous parlez d'un homme ou d'une femme ? Mais non, d'un homme, naturellement ! Qu'avez-vous en tête, je vous prie ? Un certain prisonnier, vous dis-je, qu'on m'avait remis en garde. Vous êtes rouge et troublé comme vous, si vous sortiez à l'instant d'une terrible dispute. Il y a 20 ans de cela, monsieur Lalfares, il y a 20 ans de cela, c'est comme si c'était hier. Me baiser les mains, comme si cela pouvait servir à quelque chose. Quel mal y a-t-il que j'aille le voir ? La voir, veux-je dire. Maintenant qu'il va mourir. Pas un autre, si ce n'est que c'est défendu, quoi ? Mais je vous dis qu'il m'appelle. Je n'entends pas. Par la madame, je jure de revenir. Non ! Qu'auriez-vous fait à ma place ? Pas autre chose que votre seigneurie. Je sais que vous êtes un homme discret et de bon jugement. Vous avez tort seulement de porter la moustache de cette façon, ce n'est pas l'ordonnance. Celui qui, à ma place, aurait agi autrement, celui qui, par une faiblesse de cœur idiote, se serait laissé fléchir, ou qui aurait rusé sournoisement avec le devoir, je dis que ce serait un homme sans honneur. Il n'a plus qu'à se faire tuer. La vie n'est plus si agréable pour un vieil homme, quoi. Je dis que vous n'êtes pas un vieil homme. Ce qui m'a fait mal, surtout... Ce sont pas ses plaintes et ses prières. Il n'y avait pas de cris. Mais ces mots qu'on vous dit d'une voix basse et mesurée et qui vous percent le cœur. Non ! Quand on vit que tout était inutile, ce fut ce silence ensuite. Et cette espèce de sourire. Vous connaissez cette espèce d'allègement quand nous savons qu'il n'y a plus rien à faire ? Il y a des mères alors qui se mettent à chanter près du corps de leur enfant.
fois, je me serais pas attendu à cette bouche sur ma main et cette voix qui me remerciait. Capitaine! Il y a un groupe de cavaliers là-bas qui s'est arrêté près de la grosse pierre. L'un d'eux s'est détaché et se dirige vers nous, agitant un mouchoir. Très bien! Faites relier tout le monde sur le pont! Même la sentinelle qui garde le ravin? Aussi! Et qu'on aille me chercher le chinois! Scène 14. Voici l'homme. Bonjour, monsieur le chinois. Je suis fâché des nouvelles que vous nous apportez de Don Rodrigue. Il n'y a rien à faire ici de Don Rodrigue. N'étiez-vous pas, monsieur, son serviteur? Je suis l'homme que la Providence a placé près de lui pour lui donner l'occasion de faire son salut. Comment? S'il me procure le Saint-Baptême, ne sera-ce pas une joie immense au ciel à qui un Chinois catéchisé fait plus d'honneur que 99 Espagnols qui persévèrent? Sans doute. Un tel mérite qu'il ne dépend que de moi de lui acquérir, quand il me plaira, vaut beaucoup de soins et sédulosité de sa part, je ne lui céderai pas mon âme si facilement et pour une chanson. De sorte qu'à proprement parler, c'est plutôt lui, mon serviteur, que moi le sien. Il me semble cependant, mon fils, que vous lui rendez de fort bons services. Mais il ne s'agit pas de cela pour le moment. Et puisque vous parlez de chansons, précisément, tout mon désir est de savoir si... Vous savez chanter? Chanter? Comment chanter? Eh ben oui. Chanter, quoi. Non, je n'ai pas de guitare, mais vous n'avez qu'à prendre cette assiette et taper dessus en mesure avec un couteau. Ce que vous voudrez, quelque chose de joli. Et vous ne voulez pas savoir ce que je faisais la nuit dernière à causer avec cette noiraude du diable? Je n'ai qu'un désir au monde qui est d'entendre ta jolie voix. Oh, Seigneur, épargnez-moi, je vous dirai tout. Il n'y a rien qui effraie plus les gens que les choses qu'ils ne comprennent pas. Allons! Un chant qui monte à la bouche est comme une goutte de miel qui déborde du cœur. La vérité est que, circonvolant autour de ce château dans l'intérêt de Don Rodrigue, je suis tombé sur un parti de cavaliers en armes qui m'ont demandé si j'avais entendu parler d'une certaine Donia Musique. Musique, dis-tu? Ils m'ont dit que vous la connaissiez. D'une certaine Donia Musique qui se serait enfuie avec un sergent italien et qu'il recherche. C'est alors que j'ai eu l'idée de leur indiquer ce château rempli de pirates pour, à la faveur de l'attaque et du bruit, moi-même, enlever les personnes que vous gardez. Tu ferais mieux de ne pas parler de musique et de chanter comme je te le demande. Pitié, Seigneur! Seigneur, il y a à la porte un homme qui, sans ôter son chapeau et en termes fort courts, demande que nous lui laissions rechercher un continent Donia Musique que nous gardons en ces lieux. Dis-lui, sans ôter ton chapeau et en termes fort courts, que nous gardons notre musique pour nous. Vous voyez que je n'ai pas menti. Donia Musique n'aura jamais été si bien gardée où elle est que Donia Prouez le sera par moi aujourd'hui. Bah, je le vois. Vous croyez que nous sommes tous d'accord et que c'est à Donia Prouez que nous en voulons? J'ai rêvé que le ciel, en m'éveillant dans tes bras, allons, je te prie, continue. Entre des serviteurs qui apportent des plateaux couverts de tout ce qu'il faut pour la collation. Qu'est-ce que cela? C'est votre collation que nous vous apportons ici, comme vous l'avez commandé. Fort bien. Nous allons être fort bien ici pour goûter à l'ombre, tandis que ces messieurs pourvoiront à nous fournir spectacle. Vous serez fort mal! Tous les coups de feu qu'on tirera à travers cette porte seront pour vous. Point. C'est le Chinois qui les empochera. Regarde, Chinois, si tes amis tirent, c'est toi qui seras tué. Je ne crains rien du tout. Tant que je ne suis pas baptisé, une balle ne peut pas me faire de mal. En attendant, regarde cette table qu'on a recouverte pour nous des plus beaux fruits de la terre et des flots. Le doux et le salé. Ces coquillages bleus comme la nuit. Cette belle truite rose sous sa peau d'argent, comme une nymphe comestible.
cette langouste écarlate. Ce rayon de miel, ces grappes translucides, ces figues trop sucrées qui s'en trouvent, ces pêches comme des globes de nectar. Capitaine, il y a un groupe d'hommes armés qui se dirigent vers la porte avec une échelle et des haches. Que faut-il faire? Eh bien, laissez-les approcher, j'ai donné mes ordres. Où en étais-je? Ah oui. Ces pêches comme des globes de nectar. Apparaît au-dessus de la porte un homme en cape noire et grand chapeau de feutre à plumes qui couche en joue Don Balthazar avec une escopette. Don Balthazar lui lance une pêche et pan qu'il atteint en pleine figure. Il dégringole. Ce jambon tout coupé, ce vin à l'arôme délicieux dans une étincelante carafe, ce pâté comme un sépulcre de chairs embaumées sous de puissantes épices pour ressusciter dans l'estomac avec une chaleur bienfaisante. La terre sur cette nappe ne pouvait réunir pour nous rien de plus agréable. Promenons-y une dernière fois les yeux, car nous ne goûterons plus jamais à tout cela. Mon camarade. Que voulez-vous? Nous demandons de la musique. Vous voulez de la musique? Chante, chinois! Je ne sais pas chanter. Chante, te dis-je. Celui qui m'entendrait chanter penserait que je suis joyeux. Je suis comme le petit oiseau qui chante lorsqu'il se meurt. Nous demandons Doya Musique! Pas moyen, elle vient de s'embarquer pour la barbarie. Chante, chinois! Chante! J'ai monté dans une noisette pour aller en Barbarie chercher du poil de grenouille parce qu'il n'y en a pas en Espagne. Si vous ne nous y allons tirer. Chante, chinois. Je suis allé au champ demander à la violette si pour le mal d'amour il y avait un remède. Elle m'a répondu. Eh bien, qu'a-t-elle répondu? Pour le mal d'amour, il n'y en a jamais eu. Apparaît en mer sur le derrière de la Seine une barque à voile rouge où se trouve musique. Joe Barbara, le sergent napolitain, le mousquet s'est retiré. Ciel! Que vois-je? Que vois-tu? Regardez vous-même! Ne me regarde pas, on regarde que nous nous regardons. Capitaine, faut-il tirer? Pas avant que j'ai les commandés. Que vois-tu, chinois? Je vois un bateau qui prend la mer. Et dedans, il y a cette noire route de malheur avec son diable jaune. Et regardez vous-même. C'est trop fatigant de se retourner. Oh, Seigneur, retirez-vous. Ces gens se préparent à tirer. Non! Le canon d'un mousquet passe de nouveau par le trou de la porte dirigé vers Don Balthazar. La barque a disparu. Une larme de tes yeux. Oh, quelle voix charmante. Oh. Je n'ai jamais entendu rien de plus beau. Et tombé au fond de ton cœur. Et tombé au fond de ton cœur. Coup de feu. Don Balthazar tombe mort. La face au milieu des fruits. Tenant la table dans ses bras. Une larme de tes yeux, une larme de tes yeux, et courir sur ton visage et tomber au fond de ton cœur, et tomber au fond de ton. Une larme
de la première journée. Il en reste 3. À samedi prochain. Bonne nuit. En revenant de ces verts champs, en revenant de ces verts champs, avons trouvé les blés si grands, les aubépines fleurissantes. Couchez votre bel enfant, quand vous couchez votre bel enfant, que Dieu le garde à son coucher et à toute heure de la journée. Devant Dieu, c'est le mai, mois de mai, c'est le joli mois de mai. Un petit brin de votre farine, un petit œuf de votre géline, c'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour avoir un joli cierge pour illuminer la Sainte Vierge.